Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Crash Team Racing Nitro Fueled sur PlayStation 4. Édité et développé par Sony Activision avec l'appui de Binox. Binox, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont à l'origine de la saga Spider-Man et The Amazing Spider-Man ainsi que des Skylanders. Excellente moyenne de 17 sur 20 sur Game Rankings. Sortie officielle le 21 juin 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 7 ans. On va brièvement s'attarder sur le menu avant de se lancer dans un gameplay. Ayant reçu le jeu légèrement en avance, le online n'est pas disponible, je me baserai donc sur des courses contre les CPU. Le mode aventure reste inchangé. Si vous avez connu ce jeu de course des années 90, à savoir que CTR était sorti sur PlayStation 1 en 1999, dites-vous que le mode aventure c'est une sorte de circuit pour faire un petit peu office de ville. Je fais référence à Burnout Paradise ou encore le papa de ce système qui est Need for Speed Underground 2. Vous avez des angles dans ce circuit à emprunter et vous pourrez rentrer dans divers circuits et accomplir le mode aventure. Le mode arcade qui a plusieurs sous-catégories, la course unique, le mode coupe. Donc en fait vous allez avoir 4 circuits, à vous de vous placer le mieux possible pour cumuler des points et avoir le meilleur score à la fin de ces 4 courses. Le mode combat qui regroupe plusieurs mini-jeux, le fameux retour donc du coup de ces petits modes connus sur PlayStation 1 tels que la bataille limite, la capture de drapeau, la prise de cristal ou encore le dernier carte en vie. La course contre la montre, bon là inutile de vous préciser. La course de relique, vous êtes dans une arène. Non, autant pour moi, ça c'est la course de cristaux. Vous êtes dans une arène et c'est à vous de récupérer le plus de cristaux en un temps limite. Pour ce qui est de la course de reliques, à vous de gagner une relique si vous battez le score que vous demande de battre l'ordinateur lors d'une course en circuit. Les défis CTR, vous devez récupérer 3 lettres C, T et R afin de construire les jetons que vous voyez sur l'écran. Vous avez ensuite donc du coup le mode en ligne, à savoir que le jeu peut être joué jusqu'à 4 joueurs en écran splitté, donc depuis chez vous. Le mode en ligne peut avoir jusqu'à 8 joueurs s'affrontant. Le mode arrêt au stand, un gros point positif et la grosse nouveauté de ce nouveau CTR, c'est-à-dire de la personnalisation. Vous avez entre autres une boutique, l'argent que vous voyez en haut à droite ne s'achète pas, à vous de faire un nombre conséquent de courses pour pouvoir débloquer tous ces aspects, en fait tous ces cosmétiques, et vous pourrez même débloquer de nouveaux personnages. Pour ce qui est des records, vous ferez vos meilleurs scores et vous pourrez ensuite flatter votre ego en allant regarder ce tableau. Je ne perds pas plus de temps et on va se lancer dans un mode arcade. Parmi les modes de jeu arcade, j'ai donc choisi un tournoi, un match coupe. Donc voilà, durant 4 circuits, ça me permettra de vous présenter un petit peu ce gameplay. J'hésite. Entre Reaper ou Epolar, mais bon, ils ont la même vitesse, accélération et maniabilité, ça revient au même. Et puis sur CTR de 99, je prenais Epolar. On va le prendre en normal. Enfin, vous voyez, il y a différents skins. On peut même choisir donc du coup son propre carte, y mettre des petits logos. Ah, mais en plus, il a gardé mon carte avec le chiffre 6. C'est parfait. Bon, mais rien changé du coup. On va se mettre prêt. Allez. Un point négatif pendant que j'y pense, c'est le mapping des touches. Croix pour accélérer, carré pour freiner, rond pour envoyer votre arme en fait. Si vous avez un missile, ce sera rond pour l'envoyer par exemple. Et c'est bizarrement foutu quoi en fait, je trouve. C'est assez bizarre. En plus du frein à main avec carré, vous avez la touche L1 ou R1 qui fait office
de même action, c'est-à-dire un frein boost. Enfin, vous allez voir. Je vais essayer de le faire durant le circuit. Vous verrez de quoi il en retourne. Essayons de faire le départ turbo. Et c'est bon. Donc vous voyez, après, j'ai beaucoup de fois la question qui me revient. Wow, je me suis fait. J'ai pris une caisse de TNT plus un missile. Ça commence très très bien. Je suis focus par tous les ordinateurs. Et je pense que l'ordi qui sera mon némésis durant cette coupe, c'est Komodo Joe, comme vous pouvez le voir. L'un des méchants emblématiques de Crash Bandicoot. Deuxième du nom. Franchement, ça se cherche entre les ordinateurs. Et franchement, ils sont putes entre eux. On est sur un jeu qui est plutôt difficile, mine de rien. Vraiment, c'est pas parce que je suis en train de galérer actuellement qu'il n'était pas difficile pour autant sur PS1. A savoir que Vicarious Vision, quand ils ont refait Crash Bandicoot Insane Trilogy, le 1, 2 et 3, c'est pareil, je me reprends un missile au même endroit, quoi, au deuxième tour. Incroyable. Enfin voilà, quand ils ont refait le Crash, ils n'avaient pas les lignes de code initiales de Naughty Dog, donc ils ont dû refaire le jeu en entier. C'est pour ça que, pour ceux qui pensaient que Insane Trilogy était un petit peu plus dur que Crash Bandicoot 1, 2 et 3 sur PlayStation 1, eh bien, vous n'aviez pas tort, en fait. Le jeu est bel et bien plus dur sur console de nouvelle génération que sur ces anciennes consoles des années 90. Donc, CTR est un petit peu plus compliqué, même sur PlayStation 4 actuellement, que je le trouvais sur PlayStation 1 en 99. Bon, ça va dégager. J'aime pas du tout cette arme. C'est juste une bombe bowling. Faut juste super bien viser. Je préfère avoir des armes avec un IM lock, comme les missiles. La potion, ça s'envoie derrière, ou un coup de joystick vers l'avant pour l'envoyer devant nous. La TNT, c'est derrière. Et je pense que je vais être le premier, suivi de très près par Komodo. Bon voilà, je prends 9 points pour ce premier circuit, il m'en reste encore 3. Et je débloque un nouveau skin. Donc vous voyez comment ça se fait, je vous disais qu'il fallait faire de nombreuses courses pour débloquer. Certes, certaines choses se débloquent avec de la monnaie, d'autres se fait avec des hauts faits durant les courses. Arriver premier, ou faire de très bons temps. Voilà, le jeu récompensera vos efforts. Mais du coup, voilà, parmi les points négatifs, voilà, je disais le mapping des touches hein, et les VF. Les VF parce que ce ne sont pas celles des années 90. Voilà, c'est juste le puriste qui parle, hein, c'est juste le connard de puriste qui vous parle et qui vous dit « Putain, il n'y a pas ces VF connues d'antan. » Et ça me fait bizarre d'entendre Aku parler avec cette VF qui, pour moi, ne lui va pas du tout parce que j'étais habitué aux voix des années 90. Mais sinon, on va pas chipoter. Le jeu est très beau. La bande-son est remis au goût du jour. Voilà, c'est incroyable. Et puis, cette nouveauté d'arrêt au stand avec la personnalisation des cartes, etc. C'est fou. Pensez donc, voilà, petit conseil aussi, à sauter. Vous me voyez sauter là depuis tout à l'heure. J'essaie de faire des jumps. Plus de temps vous restez dans les airs, plus à l'arrivée, vous allez avoir un petit boost. Vous voyez, j'ai des flammes derrière mes pots d'échappement. Et ça me permet du coup d'aller plus vite pendant un petit peu de temps. Et Komodo, ouais, j'avais bien analysé la chose. C'est Komodo Joe qui sera mon némésis durant ce format coupe. Ça ne servira vraiment à rien ces boules là. Pourquoi déjà que une, ça ne me va pas. Pourquoi ils m'en foutent trois, quoi? Donnez-moi trois missiles à la rigueur. Tout le monde aimerait avoir trois missiles. C'est bon. Je sais pas sous quelle table je suis passé, mais ça a fonctionné. Maintenant, il faudrait juste que je retrouve Komodo, mais il est un peu trop loin. A savoir que le missile, du coup, c'est un IM lock, donc peu importe. Si je l'envoie maintenant, en fait, il ira sur Komodo Joe, mais s'il est sur un virage bien plus lointain que le mien, et qu'il a déjà tourné, en fait, eh bien, le missile va arriver dans le mur, tout simplement. Dernier tour. Et mine de rien, même si je le vois au bout de l'écran, il a une avance assez certaine, hein. Faut pas croire. Je préfère garder mon missile. Tant pis pour les caisses. Les 10 pommes que vous voyez en haut, il faut en avoir 10. Vous serez boosté, vous allez rouler beaucoup plus vite, hein. Et ce que vous allez obtenir dans les caisses, bah, ce seront des armes, on va dire, avec un loot drop plus rare. Vous pourrez avoir plus facilement si vous avez 10 pommes, à savoir que vous en perdez à chaque fois que vous êtes touché par vos adversaires. Voilà.
Là, je suis en surbrillance parce que j'ai 10 fruits Wumpa, 10 pommes. Ce qui me permettra, voilà, d'être au moins plus rapide. Je vais essayer au moins d'arracher la deuxième place. Mais je pense que c'est mort. Au moins 3 places, ça me fera avoir au moins des points. Plus 3, ouais. 15-12, il commence à prendre de l'avantage. Ah, il était deuxième plus premier, c'est normal. L'écart commence à se faire sentir. Passons à la troisième course. J'aimerais bien quand même gagner pour ce test gameplay découverte. En espérant du coup que le jeu vous plaît, hein. C'est un jeu qui était attendu par les puristes. Et du coup, je reviens à ce que je disais à la première course. On me demandait souvent l'œuf ou la poule. En fait, qui est sorti en premier, Mario Kart ou Crash Team Racing? Crash Team Racing est sorti en 99, sachant que le premier Mario Kart était sorti en 90, il me semble, si je dis pas de bêtises. 90 ou 91, sur l'une de ces deux dates. Donc voilà, tout le monde crierait du coup au plagiat. Oh mon dieu, plagiat Sony, Nintendo, voilà, un jeu identique. Bah non, pas du tout, voilà, c'est juste une licence phare qui a voulu faire un jeu de course. J'en ai marre de ces missiles. Enfin, là j'étais à pleine vitesse, donc du coup j'ai pu trébucher en parcourant un peu de circuit. Bon, c'était pas mal. Mais bon, après j'ai envie de vous dire, si on doit parler de plagiat, alors Nintendo, plagie Nintendo. Il suffit par exemple de citer Diddy Kong Racing sur Nintendo 64, c'était exactement le même principe et pourtant c'était sur Nintendo. Voilà, bon, toute plateforme a son petit jeu de course hybride avec des petites armes, voilà. Pour ne pas parler de grosses icônes du jeu vidéo, je peux vous citer par exemple le jeu de course Blur, qui était un excellent jeu de course sur PS3 avec des missiles, voilà, pour prendre l'avantage, etc. Je parle, je ne me concentre pas, tour 2 sur 3 et je suis 3ème. Faut savoir que Oxide, le méchant, l'antagoniste principal du mode aventure, est premier. Suivi de Komodo Joe. Le 3ème, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était dans les Crash nouvelle génération. Enfin, quand je dis nouvelle génération, c'est à partir de PS2, Twin Sanity, tout ça, je les ai pas fait. Moi, je faisais Crash Bandicoot 1, 2 et 3 et puis c'est tout. Donc je pense qu'il doit appartenir à une licence future. Je crois qu'il l'a appelé Scratch, je sais plus. Je sais même plus comment il s'appelle. J'ai même pas envie de dire de conneries, donc je vais me taire. Ah, je pense que ouais, vous le voyez à droite. La distance est certaine, ce sera une 3ème place pour Bibi. Au moins ça me fera 3 points, mais ce sera très difficile. Très difficile de remonter, il faut que juste je voie combien Komodo Joe aura de points. J'aimerais bien débloquer Pinstrip Autoroo, c'était mon antagoniste préféré de Crash Bandicoot 1. Et on peut le débloquer. Il est à 24, j'ai 15, si je fais une victoire, 15 plus 9, 24, je reviens à égalité. Je peux jouer l'égalité si je suis premier, mais par contre il faudrait que Komodo Joe arrive au moins 4ème, il prend un point, il faudrait qu'il soit 5ème. Oh, c'est quasi mort, c'est même sûr que c'est mort. Il a été jugé comme l'ordinateur le plus compétent par le jeu pour cette ligue des 4 circuits. Jouer une égalité sur le 4ème circuit... en priant que le meilleur ordi du roster finisse 5ème. Ouais non. J'ai 99,9% de perdre et de finir second dans cette coupe. Bon, mais au moins, second, ce sera pas si mal, c'est au moins le podium. Ah, cette phrase de perdant, quoi. Ah, quelle horreur. Ah, je suis dégoûté en vrai. On va essayer de faire du beau jeu. Mais c'est bien, ça me rappelle tellement de nostalgie. Voilà, le petit tigre qui est devant, c'est le petit tigre de Coco Bandicoot, la sœur de Crash, qui devait parcourir la muraille de Chine dans Crash Bandicoot 3 Warped. C'est voilà, c'est trop bien. A savoir que Polar, le petit ours que l'on découvre dans Crash Bandicoot 2, quand il gagne, il fait une roulade vers l'avant avec ses pattes arrière qui s'écartent devant nous. Et c'est exactement la même façon qu'avait d'atterrir Crash quand il ratait un stage dans Crash Bandicoot 2. Quand on n'arrivait pas à récupérer un cristal, il tombait en faisant une roulade en avant et terminait en espèce de pseudo grand écart, un peu sonné. Comme s'il avait été jeté d'une boîte de nuit, vous savez, en mode tenu par le col et par la ceinture. Et ça c'est drôle, il y a tellement de références. Les plantes carnivores du 1 qui peuvent vous bouffer si vous allez trop près. Voilà, le circuit de Coco Bandicoot ici présent. C'est top.
Alors, je suis premier. Commodo Joe. Il n'y a pas son frère, d'ailleurs. Il n'y a pas Commodo Mo. C'était deux frères, Lézard, Alligator. Je ne sais plus trop la gueule qu'ils avaient. De toute façon, sur PS1, ils étaient plutôt mal faits. Et je ne me rappelle plus dans le Ensign Trilogy la gueule qu'ils avaient. Le 2, je l'ai très brièvement survolé. Je l'ai surtout bourriné sur PS1. Mais sur PS4, j'ai surtout fait le 1 et le 3. C'est ceux qui me manquaient le plus, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Et enfin, voilà. CTR, c'est surtout un jeu pour les puristes, qui plaira, qui touchera votre corde nostalgique, mais aussi pour les jeunes joueurs, et on a un bon petit jeu arcade, et ça, c'est top, c'est banco. Surtout pour son prix. 39€ dans les grands commerces. Enfin, dans les magasins spécialisés, plutôt. Eh bien, j'ai 24, mais il a fini deuxième, donc il prend 6 points. Ce qui va le nommer vainqueur. Et troisième, je crois que ça doit être Oxide, le méchant de CTR. Effectivement. Bon, et bien voilà, on va se quitter sur cette image de podium en espérant que ce gameplay test découvert de CTR Nouvelle Génération vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.